His déclaration de député, the honorable member from Kitchener Centre. L'honorable député de Kitchener Centre. Monsieur le Président, une autre journée, une autre rénoviction dans ma communauté. Cette fois-ci, ce sont les gens du 250 Frederick à qui on ment et à qui on dit qu'ils vont se retrouver à la rue s'ils ne quittent pas leur logement d'ici le 31 mai. Des personnes qui paient un loyer d'environ 1 000 $ par mois peuvent consulter en ligne de fausses photos de logements de leur propre immeuble dont les loyers sont déjà affichés à partir de 1 800 $, alors que d'autres subissent des pressions pour signer de nouveaux baux à des montants plus élevés. Des propriétaires de mauvaise foi comme Michael Klein profitent des gens dans des immeubles comme celui-ci partout au pays parce que les gens n'ont nulle part où aller. Après 3 décennies de sous-investissement, le parc de logements sociaux n'est plus que de 3 %. La Chambre doit démontrer qu'elle est prête à au moins doubler le nombre de logements sociaux au Canada. En attendant, je remercie Acorn et le Centre de développement social de la région de Waterloo d'avoir organisé les gens du 250 Frederick. En se serrant les coudes, ils peuvent tenir tête à ce propriétaire et se battent pour conserver leur logement. Les organisations locales font leur part. Il est grand temps que le gouvernement fédéral fasse la sienne. L'honorable député de Scarborough-Guildwood. Merci, Monsieur le Président.